Bonjour tout le monde. À l'époque, on avait tourné avec Stileux. Stileux qui est un joueur Arkix top ladder. À l'heure actuelle sur son Arkix, il est à plus de 7600 trophées. Il a déjà fait plus de 7707 saisons. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est chaud, à quel point c'est dur. Et il va nous partager du gameplay et il va même nous faire l'honneur de faire du live game. Bienvenue à toi, Stileux. Salut les amis, ça fait très longtemps. Comment ça va Naxi et les amis qui vont regarder cette vidéo? Yo, très bien. La grosse patate parce qu'en plus c'est du très haut ladder que tu nous montres là, donc ça fait kiffer. Je vous montre un peu son profil. Alors oui, regardez ça, 7600, il est top 100 ladder, c'est fou quoi, c'est fou. Ah ouais, mais ouais, cette méta-là, vraiment chaud, hein. Beaucoup trop de golems d'élixir, de golems tout simple, golems bombardier, déjà pas simple du tout, hein. Mais heureusement qu'il y a un petit up chevalier. D'ailleurs, je ne savais même pas parce que j'ai repris récemment et c'est toi qui me l'as dit, mais je savais pas que le chevalier a été up. Bah, ça fait du bien quand même, je pense, à Ouais, l'artiste. c'est sûr. Bah surtout à toi, hein, parce qu'en plus tu disais, moi j'utilise le chevalier parce qu'il tanque plus que le golem de glace, il a beaucoup plus de points de vie, c'est ce que tu disais. Ah ouais, moi je Et préfère, hein, parce que bah, sur tous les gameplays que je t'ai partagés, hein, quand tu verras comment le chevalier sauve la vie alors qu'un golem de glace c'était perdu d'avance, donc faut voir quoi. Bah écoute, c'est parti, on part sur le premier replay. Nickel. Ouais. Donc alors Lui. là, on commence déjà par un match-up, il est sale, il est pas franc, on n'en veut pas. C'est du Alors lui. géant, géant contre Arkix, évidemment. Ouais, lui là, je regarde ce qu'il a. Bûche, je me suis dit, Bûche, j'espère que c'est Arkix parce que je gagne très souvent les matchs miroirs. Et là, je vois. Et là, je crois qu'il va mettre un bébé dragon, je crois. Ouais, Ouais. c'est ça. Et là, je me suis dit, Arkix direct parce que si c'est un golem, bah, Bah je lui oui. prends direct la tour. Exactement. Et c'est pas un golem. Et là je me suis dit, aïe, ça va être chaud. Je me disais, putain, ça va être sûrement être le Night Witch mineur. Très très compliqué. Ouais. Et puis là, en fait, le truc à faire, franchement, avec ce match-up, c'est vraiment d'y aller très lentement. En gros, d'essayer de poser une Tesla au milieu et d'attendre, de gagner de la value et ensuite mettre l'Arkix au bon moment. C'est ça qu'il faut faire. Ok. Toi, ça t'arrive Ouais. souvent de mettre la Tesla milieu avant de mettre l'Arkix? Ouais, souvent. Souvent. Surtout contre deck géant comme ça. Ok. Surtout contre ce genre de deck géant mineur. Mais là, je sais pas en fait, parce que. Bon, là, je remets direct parce que je sais que j'ai House Cycle son géant, mais compliqué quand même, tu vois, là. Ouais, au final, il met direct la sorcière nuit, le dragon, même si tu mets une boule de feu, ça tombera quoi. Ouais, et son Miner Zap aussi, il est horrible. Miner Zap à chaque fois. Ah, et voilà, le zap. Ouais, voilà, Ah, et ça voilà, gratte, hein. c'est. Et Ouais. ouais, ça peut durer toute la partie comme ça. Ah ouais, le mec, il suffit juste qu'il défende mon Arkix, Miner Zap, et il prend tout le temps 300 minimum de dégâts, donc. Alors, c'est Très, très vraiment compliqué. tendu, hein. Le match-up est compliqué. Puis géant, ça tank Ouais, pendant 30 ans. et en plus il fait que cycler ses sorts sur ma tour parce que ça lui fait cycler, ça lui permet de réobtenir le géant pour tuer mon Arkix et donc c'est vraiment hyper facile pour lui. Hein. Vraiment, normalement c'est son match quoi, l'Arkix. Ouais, c'est clair, lui il les Ouais. mange au petit matin les Arkix, hein, tu Ouais, m'étonnes. normalement, là je me suis dit, Night Witch opposé, je pense que je vais essayer un Ouais, truc. c'était bizarre son play quand même. Ouais. Et puis là, je me suis dit, bébé dragon, je mets le chevalier à gauche, comme ça, il peut pas taper tout. Et là, je commence à poser les Arkix, tu vois. Ouais, Les Tesla, pardon, les les Tesla. Tessins, j'avais compris, ouais. Ouais. Comme ça, je pourrais recycler sur un autre Arkix. Et t'as vu, je sais pas si, mine de rien, ça gratte, hein, à gauche. Ouais, t'as mis quelques dégâts quand même, effectivement. Ouais. Moi, je Et suis là, du en fait, point de vue de faut. l'adversaire, mais j'avais compris, t'inquiète. Ok, géant. Ouais. Là, faut essayer de mettre assez de pression parce que ces mineurs-là m'embêtent trop. De toute façon, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Hein. Le match-up est vraiment pas. Je suis Ouais. vraiment pas favorisé ici. Donc, faut vraiment l'attaquer là. C'est clair. Foutu pour Là. foutu, hein, de toute façon. Ouais, et en fait, ce placement Tesla, c'est assez intelligent. Ça me permet justement de temporiser un peu plus pour tuer les mineurs. C'est Ouais. pas trop mal. Mais regardez, à ce niveau-là de la partie, il a 1500 PV d'avance. Franchement, ça semble impossible Ouais, pour ce gros c'était juste pas 1000. bien quoi. Là, il repose le géant Ouais. direct. Donc tu as Ah BDF ouais, mais. Bûche pour gérer ça, j'imagine. Ouais, exactement. Et là, en fait, souvent les mecs, ils pensent trop à gratter ta tour et donc là, bah, j'ai mis hyper cher. Là, j'ai dû mettre 1000 dégâts là. Ouais. Ouais, voilà. Là, Là, tu vas je ignorer rate. le dragon, tu t'en fiches, tu peux redéfendre le Ouais, mineur. bébé. Là, je remets la Tesla comme tout à l'heure pour en même temps protéger contre le mineur et en même temps préparer la défense de l'Arkix, en fait. Ouais. Et là, je vais archer tout à gauche pour pas qu'il ait de value aux boules de feu. Ah, c'est Et là, énorme. je vais mettre des bûches ou des boules de feu pour justement l'embêter en fait. Parce que en fait, il veut surtout le mineur et gratter ma tour. Et je l'empêche parce que si je pense être trop. Enfin, en fait, il faut que je pousse à fond mon push. Comme ça, il peut pas m'attaquer en fait. C'est très bien joué, hein, parce que c'est clairement pas si facile que ça de réussir à défendre ses mineurs en boucle, surtout que les Ouais, squelettes sont en zap. exactement.
Exactement, parce que lui, je pense que tout ce qu'il veut, c'est mettre des géants et à côté mettre des mineurs. Ouais, et ouais, le truc, c'est que si j'arrive à défendre et l'empêcher d'attaquer avec son mineur, bah c'est gagné en fait. C'est surtout ça qu'il faut faire. Oh les battes aussi. Oh, c'était chaud, hein. C'était tendu, ouais, tendu, tendu, tendu. Ouais, c'était hyper tendu, ouais. Ouf. Lui, est vraiment pas facile du tout. Hein. Ah, mais t'as donc en retraite forcée, toi aussi. Ouh, je suis dans retraite forcée. Go. Alors ici, t'es contre un très très bon match-up. T'es contre du golem d'Elixir, séisme. Golem et le fer barbare, c'est très important. Et le fer barbare aussi. Oh là là. Juste un fer barbare, non, gère un Arkix. Et t'as pas rage-kit là-dessus? Ah, mais toi, t'engages en Arkix cash? Ah oui, non, mais là, j'étais un peu fou parce que je pensais. En fait, lui, normalement, c'est un joueur cimetière. Et là, il a changé de deck, ce fou. Ah, d'accord. Je pense qu'il a dû haïr les Arkix, lui, hein, parce qu'il a dû se dire en jouant cimetière, là, il s'est dit, bon, je vais me venger sur les Arkix, quoi. Juste à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais c'est mort, là. Enfin, c'est quoi ce truc avec son séisme, Nightwitch Oh là là, mais déjà là, t'as vu les dégâts qui t'a mis. Mais non, mais bien sûr, tu vois séisme déjà en face, t'es en mode, bon, bah, GG. Ouais. Je peux rien faire, quoi. Et surtout, un truc, en fait, faut jamais abandonner, les gars. Parce que regardez, même là, contre un deck comme ça, j'arrive à revenir. Donc, les gars, vraiment, tout est possible, hein. Donc, Ouais, donc il tempo au golem d'Elex, mais oh là, ça va être compliqué, hein. Ouais. Là. Ah, voilà, de nouveau le 6. Ouais. Mais là, je gratte, hein. Là, je gratte quand même, mine de rien. Et là, en fait, j'essaie de recycler un Arkix, donc j'évite de mettre une bûche. Ah, oh, justement, j'ai été demandé. Parce que moi, j'aurais non, parce qu'en fait, regarde, en fait, c'était très intéressant parce que là, en fait, je prépare un autre soutien en poche. Si je mettais une bûche, c'était 2 DXR gâchés, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, ce que je fais, c'est que je prépare un gros push avec le chevalier. Si j'avais mis la bûche, bah, j'aurais pas pu mettre un chevalier comme ça. Enfin, si, mais j'aurais un DXR de moins, quoi. Enfin, c'est un peu tricky à voir. Oui, oui, bah, je vois ce que tu veux dire. Après, t'avais 2 DXR dans la main quand t'as mis ça, donc je sais pas. Ouais. Parce qu'en même temps, tu le récupérais plus vite, du coup, mais je sais pas. Ouais, là, ça gratte, hein. Là, on est pas mal, là. Et je mets encore de la pression parce que je sais qu'il a pas beaucoup d'DXR, là. Et ouais. Je remets Arkix. Et là, il va être séisme, du coup, basique. Ouais, et là, sauf que le chevalier, il va mettre au moins 800 wow. dégâts. Oh, c'est un vrai, le chevalier. Ouais, t'as vu, c'est pour ça que j'aime trop le chevalier, il est sous. Si le golem de glace, il aurait pas mis des dégâts là-dessus. Hein. Ah non, il aurait rien fait du tout. Hein. Parce que c'est vrai qu'à part les spells, hein, c'est Arkix ou spell hein, avec les 2.9 ouais. classiques. Ouais, et j'aime bien ce petit move là. Ouais, le petit truc glace, ah, ça fait la diff. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Là-dessus, tu tombais la tour s'il défendait pas. Hein. Franchement, là, je me suis dit, si je défends là, je gagne en fait, parce qu'il reste plus que 40 secondes. Ah, là, j'ai raté le feu. Ouais, c'est très. À un moment, j'ai cru que je me suis dit, ah, ça passe ou pas. Non, c'est pas passé. Et là, par contre, faut bûcher. Là, ouais, là, t'hésites pas, hein, clairement, parce que c'est fini. Ça. Et là, j'ai mis toute l'armée dessus, là, pour protéger ce mec-là. Oh, la tête là. Oh, mais quel joueur. Ouais. Non, mais je m'attendais à ce qu'ils mettent un archer magique. C'était free, là. T'as vu les points de vie du chevalier, là. Ouais, mais c'est ça, ça prenait la tour. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais là, en fait, là, quand même, j'ai eu très chaud. Hein. Là. Bah, ouais, c'est clairement pas gagné pour autant. Parce que là, il y a le séisme, ça va se rapprocher de la tour. Toi, faut encore que tu spell 2 sports. Ouais. Ah oui, là, tu vas voir, j'ai tellement paniqué, j'ai tout mis dessus, là. J'ai vraiment tout balancé. Oh, putain, c'est chaud. Ouais, et sans... Heureusement que le golem m'a donné de l'élixir, sinon, hyper chaud. Puis bon, j'ai lâché un peu de BM, là, à la fin, parce que vraiment, c'était un hard counter de fou. Ah mais d'accord. Non, ne regardez pas, fermez les yeux. Il n'a pas BM. Ah non, mais vraiment, les match-up comme ça, mais vraiment, je les DM de fou quand je gagne, mais ça fait tellement plaisir en fait, donc... Attends, tu connais pas la règle du ladder. En ladder, faut BM quand c'est toi qui hard counter. Ça, c'est le bon moment pour BM. Encore un beau match-up, là. Oh, ah, ouais. Alors, un petit géant, parce qu'en Arkix, c'est simple à gérer les géants. Voilà, il faut 15 d'élixir, ça va. Aïe aïe aïe, mais regarde, encore ce Miner Zap, là, qui est super embêtant. Ouais, bon, c'est aïe, clair. Aïe. Donc là, Mignon, ça va, tu bloques au chevalier, et là il envoie le prince. Ouais. Et là, je crois que j'ai Arkix opposite. Ah non, ouais, là, moi j'aurais fait ça là, aussi. Ça. Ouais, j'aurais fait ça aussi. Ça. Hein. Parce que là, je savais que c'était le géant double prince mineur. Et là, regarde le zap là. Enfin, regarde les placements squelettes. Aïe, oh, quel joueur. Ouais, non, mais ils font tout le temps ça, ils pré-shot. Et là, je garde ma Tessa en vie. Et là, je sais plus. Ah, là, je boule de feu parce que je sais qu'il va mettre le géant. Je mets pas d'archer ou quoi que ce soit parce qu'il veut justement me bait mes troupes. Ouais. Et là, je crois que je bûche. Ah mince, là j'ai fait une petite erreur. Bon, moi, j'aurais ni l'esprit de glace ni la bûche là-dessus. Ouais, l'esprit. En fait, je sais plus. Je crois que si j'avais mis la Tessa une case plus haute, bah, j'aurais pu gratter quelques dommages sur la tour parce que la Tessa aurait continué à taper.
Et avec la bûche, bah, ça aurait repoussé et puis ça aurait été pas mal. Mais Bah, là, j'allais te demander aussi pourquoi tu l'as mis comme ça. Après, ça permet que l'électroviseur ne la tape pas, mais. Ouais. De quoi, la Tesla? Ouais, tu l'as mis trois cases en dessous de la rivière. Ouais, parce que justement, là, je savais qu'il avait le prince, donc je me suis dit d'abord je défends et on verra après ce que je fais, quoi. Je pensais pas encore au push, en fait. Voilà, c'est chaud le prince thermique. Et Là. ça va, tu as connecté un. 2-3 Ouais, dégâts quand ouais. même. Ouais, ça, mine de rien, ce genre de dommage-là, ça compte beaucoup, hein, surtout quand tu vas voir la fin, là, ouh, ça sauve la vie, hein. Le chevalier s'est pas trop mal débrouillé pour gérer le prince non plus là. Ouais. Alors que Golem Glias, je pense que là, je Ah, perdais tout, mais je là. sais pas, tu me donnes trop envie de jouer la version chevalier, c'est incroyable quoi. Non, mais parce que. Ouais. Après, ça a ses avantages et ses inconvénients. Parce que, après, contre des decks molosses avec les roquets et tout, c'est Ah, tu les compliqué. gères pas, hein, tu les Ouais, gères pas, ouais. compliqué, compliqué, ouais. Là, il boule le feu. Ouais, mais possiblement les archers qui. Ouais, Ouais, qui est pas. le chevalier encore qui sauve la vie, Oh, il mais est il en train t'encourt en de. 30 ans, what the fuck? Ah ouais, Il m'a là, pas par quoi. contre, j'ai un peu peur. Ouais, bah, il Ça faut va. quand même bûcher, t'as raison. Là, je crois que je mets Tesla. Ah non, là, je sais qu'il a pas le géant. Ah, encore, il va mettre un truc devant. Moi, Je sais j'aurais mis pas les s'il va mettre. archers, ouais, parfait, ok. Ouais. Parce que là, je savais qu'il était pas très bien décrit. Là, je mets Tesla plus haut, je crois. Oui, il faut. Ouais, parfait, Ouais, parfait, voilà. parfait, Et parfait. là, je prépare les bûches, tout ça, pour justement l'embêter. Parce que tu vois, c'est mineur, tu vois ce que je voulais dire ou pas? Il veut tout le temps pousser, enfin, en attaque. Et donc, en même temps qu'ils attaquent, enfin, ils peuvent pas soutenir à fond leur push. Et donc, c'est comme ça que je gratte tout le temps les dommages. Et là, double Tesla. Là, je crois que c'est là, il est en PLS. Là, j'ai mis en PLS, là. Ouais, là tu le mets pas bien. Double Tessa, ça fait mal. Hein. En plus, je lui mets chevalier, comme ça, je vais voir qu'est-ce qui va boule Ouais, de et feu. il peut pas boule de feu des trucs intéressants. Ouais, il est obligé de BDF Ouais. comme ça. Et là, de Parfait. toute façon, j'ai re-eu un Arc-X, là. Yes. Par contre, t'as pas de positionnement, t'es obligé d'attendre un petit peu là. Ouais, là, je mets archer, je temporise, et là, je remets l'Arc-X direct. Parce que là, je sais que là, je pense que, franchement, à ce niveau de jeu, je pensais qu'il. Enfin, je savais pas si je pouvais gagner ou pas. Compliqué. Mais là, quand j'ai vu que j'ai mis ma Tesla aussi haute et qu'il avait déjà le géant, je me suis dit, aïe, 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 pourquoi j'ai fait ça? Ouais, J'aurais dû la mettre plus je comprends, bas. ouais, parce qu'en plus il peut boule de feu là, du coup, il va le faire. Ouais, et là, je remets archer, je crois. Ouais, et là, ça va gratter, hein, mine de rien. Et là, re-Arc-X direct. Là, j'attends que ça tue. Ouais, faut que tu re-arc-kicks, hein, faut que tu te cycle exactement. Ouais, et là, je teste là, mais moins haut, je crois. Ouais, c'est bien, là tu peux rebuche. Même Ouais, pas même besoin, hein. pas. Esprit c'est bien, c'est mieux. Ouais, esprit, parce qu'en fait, je garde pour le géant. Le géant, il est super embêtant. Là, je squelette. Je sais qu'il a pas le zap parce qu'il a vu Exactement, son faut faire mineur. gaffe à ça, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire, bien joué. Je Ah, crois tu que je joues mets bien, hein. Arc-X. Je mets Arc-X à l'autre côté, comme ça, je l'embête. Ok. Et ça va me permettre de connecter avec celui de droite, je crois, de gauche. Ah, mais quel joueur. Ouais, là je connecte. Et là il est en PLS. Alors, regarde son élixir, regarde mon élixir, regarde j'ai une Tesla en jeu. Ah, c'est énorme. Ouais, là je remets Oh une yeah, il Tesla. est tellement pas bien. Ouais, là par contre c'est le x3, très compliqué le x3, parce que c'est avantage pour lui, x3. Ouais. Oh, il spam, hein. Ouais, tu m'étonnes. Alors, t'as vu, Ouais, mais là. là, il est devant, en dégâts, hein. Ouais, Pour il est l'instant. toujours devant. Là, la bûche. Là, je me dis rien à perdre. Là, je boule le feu tout, je crois. Oh, aïe, 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 c'est Mais chaud. Oh! t'as vu comment c'est Oh, le compliqué? luck! Oh! Ouais, et c'est parce que boule de feu hyper réactive là à ce moment-là. Là, il met tout là. Il va mettre boule de feu, mineur, il va tout mettre là-bas là. Et Oh, là, et j'ai puis t'as écouté, hyper t'as chaud. sacrifié les archers. Oh, c'était tendu, Regarde tendu, hein. des points de vie, regarde des points 21, mais non! de vie! Oh, c'est Mais tu sais joyeux! qu'il Et a. 121, t'es juste, juste aussi, hein. Bah ouais, parce T'es. qu'il a plus de zap, il a plus de Oh, boule les de feu, squelettes! et ouais, je l'ai Ah! pré-shot. Ah, mais vraiment, plus 37 là, dans ce game. Oh le Aïe, aïe, pauvre. aïe. Ouais. Alors ça tu disais que t'as un très bon match-up avec le chevalier toi. Ouais, c'est ça. Encore un clan de. Enfin, encore le clan Powder d'Andorra Ouais, là. le fameux Et pendu ouais, d'Andorra. franchement, ce match-up là est pas trop mal. Et je l'aime bien. Et là, faut pas mettre Oh. trop d'élixir, hein, ça sert à rien de. Et là, par contre, sur Sapeur Connect, je crois. Là, Ouais. j'étais un peu triste. Là, j'étais un peu triste. Ah, Là, t'étais un peu chagriné, mais je comprends. ouais, mais de toute façon, je me suis dit, bon, de toute façon, ça devrait le faire. Là, il commençait à me BM, je crois. Ah, regarde-le. Il s'est dit, le sapeur qui connecte. Et là, je crois que je pré-shot, je crois. Il va Valkyrie Ah plus non. c'est Arche Magique. Ah non, Ah, juste ouais. Valk. Je crois que je teste là au pont. J'aime trop ce play parce que. Ah, quoique. Ah ouais, là, je l'ai mis tarif là. Parce que je l'ai pré-shot son mineur avec mes. Et là, il peut pas connecter avec son magica, son archer magique. Tu vas bûcher là-dessus ou pas? Non, oui. Non, pas du tout. Je vais même laisser l'archer magique taper. Comme ça, je vais remettre Arc-X direct et je Ouais, vais. t'as raison, c'est vachement mieux. Ouais, parce que ça, au pire, ça équilibre les dégâts des tours. Et puis t'as besoin de la bûche pour gérer sa paire, c'est mieux. Ouais, c'est ça. En fait, justement, dans ce match-up, très important, les gars, gardez souvent la bûche pour les sapeurs.
Et aussi, juste les squelettes suffisent pour tuer les sapeurs s'ils sont seuls. Bon, là, par contre, beau préchat de sa part, je pensais pas qu'il avait autant d'équipes en fait. Puis évidemment, quand c'est comme ça, la tour à bombe les prend. Après, si t'arrives à caler un chevalier ou autre, ça démolit bien la tour à bombe. Ouais, là, il me donne une bonne value. Enfin, parce que j'avais rien à gérer. Là, regardez. Ah mince, là, j'ai dû mettre parce que c'était trop chaud là. Les ouais, sapeurs étaient trop proches. Ouais, ce que j'allais dire, si tu le mets pas. Ouais, là, ils étaient trop proches. Hein. Ah, IBM, là, il se dit, ah, je l'ai mis en PLS et tout. Mais ouais, il a claqué plein d'élixir, c'est bon, c'est gagné. Il est fou, lui, le mec. Mais non, alors... ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ah non, non, mais. Attends, qu'est-ce qu'il va faire? Je me suis en plus trop. Ah, là, je me dis, ok, direct, là, faut push. Ah, vas-y, regarde, cette partie-là est très intéressante. C'est le push en même temps défendre, tu vois. Là, j'ai pas peur du push qu'il va me mettre. Là, je mets Tesla, je m'en fiche. Et puis là, je crois qu'il va. Ouais, il continue à me push. Il part à droite, frère. Ouais. Et là, je le pré-shot encore ses petits squelettes. Et là, je commence à BM. Parce que là. Et non. Il a 6 d'élixir là. Là, il va. Je sais pas ce qu'il va faire. Ah, bah là, c'est bon, c'est fini. Tu vois, là, l'utilité du chevalier là. Oh, et là, la bûche, la belle bûche. Et la bûche. Oh, il connecte quand même. Dommage, vraiment, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Parce que c'était game, sinon. Là... Hein. Non, mais c'est bon, je commence à le BM là. Parce que là, je sais que j'ai gagné là à ce moment-là. Parce qu'il a pas de sort, il pourra jamais passer d'avis. Petit essai défensif, l'esprit de glace. Faut pas les rater hein, sur cette version parce que t'as pas le golem de glace pour. Ah ouais. Oh le mineur. Ah. Le mineur. Ah, je crois que je pré-shot Tesla encore une fois. Ah, mais quel joueur! Oh là 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 là! Ah, ça c'est ton signature move, hein. c'est ton play à toi. Hein. Ah oui, non, mais vraiment, j'aime trop faire ça. Hein. Les mecs, je vois le désespoir dans leurs yeux quand je pré-shot. Bah, d'autant plus que même si tu rates ce pré-shot, ça te permet toujours d'avoir la Tesla pour l'Arc-X derrière, donc c'est pas un play très risqué, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bien, ça. Quoi. Au pire, ça protège quoi. Oui, exactement, ouais, voilà. Et oh voilà, j'ai gagné. Easy. Mais quel joueur. Et puis là, bah... en fait, je crois qu'il pensait gagner, hein, parce que je pense qu'il doit aller battre souvent les Arkix avec ses tours à bombe et tout. C'est possible, hein, c'est possible. Le matchup est ouais, pas si facile que ça. Hein. Surtout si c'est un 2.9. Hein. Ah ouais, vraiment, ouais. On est parti pour une petite game en live. Allez, let's go. Si tu veux, on peut en faire plusieurs, hein, c'est comme tu veux. Non, on va faire une victoire. Une victoire en live. Ok, allez, let's go, je lance. Allez, c'est parti. Ça me va. Ok. Je vais mettre les archers comme ça. Au pire des cas, ça gratte et j'ai rien à perdre à mettre des archers comme ça. Ah, là, je pense que je vais partir en Arc-X là. Hop. Et voilà. Oh, il a raté. Oh, il a raté. Let's go, let's go, let's go. Il a raté, je l'ai vu. Oh, non. Oh, ah non, t'inquiète, ton bombardier il passera pas. Hein. Prends trop de value. Et puis là, je vais. Ouais, je vais le test là. Ouh, c'est super ça en plus. Oh, regarde. Oh là là, le positionnement de Mini PK. Oh, magnifique. Oh, il a perdu. Oh là 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 là. Oh, mais quel joueur. Tu vois, les joueurs golem en ladder. Hein. 7600. Mais c'est pas vrai. Oh, il avait tellement le match-up. Oh, mon gars. Ah, ils viennent jeter la game là. Bon, ah ouais, mais franchement, je l'aurais BM de fou là, mais bon, comme on est. Non, BM, plein de spectateurs, je respecte. Ouais, ouais, non. Attends, je pense que je vais tellement, en fait. Je vais tellement pas le respecter, je vais essayer de prendre ces deux tours. C'est vraiment bien. Mais il faut, en plus, je pense qu'il faut, vraiment prendre l'avantage comme ça. Je pense que c'est un bon play. Parce que ça arrive forcément de l'élixir. Ouais, il faut. C'est hyper bête ça, par contre. Franchement, c'est super bête. Ok, donc déjà la tour de droite elle est prise. Me faut juste 15 secondes pour la prendre en boule de feu cycle. Tout à fait. Ah, oh, compliqué là. Ok, qu'est-ce que je peux faire là? Ok, donc là si je défends ça en fait je gagne, je pense. Il a plus de foudre, ah cool. Je crois qu'il aura recyclé d'ici là, mais continue. Non, impossible, parce qu'il vient de la mettre. Ah oui, quoique, ouais, il va mettre bombardier là, bah c'était oui, sûr. Bah oui. Je l'ai pré-shot avec le chevalier. Attends, là, je vais essayer de mettre une belle boule de feu. Ouais, c'est très sympa. Ah non, c'est dommage. Ouais. Ouais, Tessa survient, elle fait le café. Hein. Si tu reprends au squelette, c'est bon normalement. Ouais, au pire, je prends des petits coups de base. Non, ça va, t'as repris au squelette, hein, c'était bien joué. Ça. Là, ouais, il pousse beaucoup. Petite bûche à droite, parfait.
crois que j'ai un peu raté. Ouais. Oh, compliqué là. Ouais, non. Oh, Stylo, tu perds pas ça. Ok. Oh non, c'est mort, je pense. Ah, fait chier. Oh non. Ok, golem de nouveau. Il va pouvoir poser les cartes sur ta tête, hein. Faudrait que tu fasses gaffe à ça. Compliqué, compliqué, compliqué. Ouais, boucle de feu, elle est parfaite, ce qu'il fallait faire. Oh là. Oui, il a pas le temps, lui. C'est bien joué, en vrai, hein, je pense. Mais... Ouais, pas mal. Oh là là là. Allez, je vais mettre un petit chevalier là pour le mettre la pression, je pense. Oh putain, je peux pas... Ah, il connecte pas. Ouais, c'est dommage. Putain, il m'a... Ah, il est revenu. Je pense... En fait, j'ai mis ce test là à un moment. Oui, mais ah c'est sûr même, c'est mis ce ça, tu l'as mis. J'ai perdu, j'ai perdu. Ah, aïe, 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 aïe. Oh non! Ah, sur une bon, Tesla! Par... Sur une Tesla! Oh non! Mais ouais, quand je t'ai vu le poser comme ça, je me suis dit, mais non, ça marche de le poser aussi loin? Non, je l'ai raté! Ah, ça pique! Aïe! Mais en vrai, je me suis vraiment dit, mais Tesla ici, ça marche? Ah non! Ah non, mais vraiment, ah, je suis triste là! T'avais la game et tout là! Tu l'as entre les mains là, c'était ta game à en toi! Plus, en plus, ça me dérange pas trop de perdre, mais en fait, c'était un hard counter, j'allais battre un hard counter quoi! Mm. Ah oui, oui, il joue 2.9 lui, souvent. Oui, ouais. Ou cimetière, ça dépend. Ah non, c'est bon, c'est 2.9. Ah! Ah! Qu'est-ce que pas. C'est? Non, non, c'est pas Arkik ça. Ah, c'est. Non, c'est pas cimetière ça, c'est bizarre. C'est possible ça, cimetière, mais c'est bizarre avec des squelettes. Hein. Non, cimetière, ouais, cimetière avec des squelettes, c'est très bizarre. Je peux le sniper hein, si tu veux. Non, t'inquiète, ça ira. Je pense que ça va être. Du GR. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon là par contre c'est total suspense, hein. Là le deck de l'adversaire là... Ça ressemble beaucoup à du cimetière mais je suis pas sûr. Il l'a pas joué dernièrement en tout cas. Mais c'est bizarre quand même du... Ah quoique... Il joue autre chose et parti avant lui. Oula. Oh là là, c'est quoi, ça c'est du counter maison ça. Oh vas-y, c'est mort. C'est du snipe, hein, il t'a snipé. Il l'a pas joué ça les parties d'avant. C'est la première fois où il joue ça. Ah ouais, je pense qu'il a dû. Il a dû spec l'ancien adversaire golem et il a lancé direct. Hein. Ah non, mais t'as vu le. C'est du snipe, c'est sûr et certain. Parce que tu joues jamais GR séisme à part si tu veux du 2.9. Non, j'ai jamais vu ce match-up, jamais vu ce deck de. Vas-y, je pense qu'on peut la laisser, hein, celle-là. Ouais, mais il est même pas dans son battle deck, de tous les decks qu'il a. Ouais, tu peux la laisser, celle-là. Donc, ah ouais, mais celle-là, laisse tomber. Je vais perdre du temps pour rien, hein, vraiment, là. Et cette dernière partie, c'était il y a 4 minutes, et il jouait un P.K. Bridge Pam, tu vois, donc il y a rien à voir. Ah oui, ah non, mais si c'était P.K. Bridge Pam, je l'aurais fisté, enfin... Ah oui, P.K. Bridge Pam, c'est un très beau, très bon match-up, P.K. Bridge Pam. C'est énorme. Ouais, il a vraiment joué P.K. Bridge Pam, P.K. Bridge Pam, P.K. Bridge Pam, et d'un coup il passe en GR séisme. Ouais, ça sent ça sent un peu le snipe, hein. Ah, c'est ça, là. Aïe, c'est hyper sale. Ah, t'as vu, en plus, même là, les 5 spectateurs, là, ils sont un peu louches, tu vois, genre. Ah, bravo, tu as battu en deux. Je crois qu'il reconnaît mon pseudo. Ah, non. Ah, quoique, peut-être cimetière. Attends, je pense que c'est cimetière. Parce que de mémoire, je me souviens que je l'ai défoncé. Ouais, c'est mon cimetière. Ah oh non, vas-y. J'ai mal mis. Ça m'intéresse, bon, ça. Il a plus de fuit à barbare. Ouais. Il a plus de fuit à barbare. Et je vais remettre cette bombe. Ouais, c'est là, ça. Tu mets beaucoup là, mon pote. Parce qu'il a plus que 2 d'élixir, là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il... Bah, c'est impossible qu'il gagne, tout simplement. Et
Et souvent, ce que j'aime bien faire contre ce match-up, c'est que pendant qu'ils me font un gros push avec Cimetière, avec un Knight, moi je mets juste je mets un Arc-X offensif direct, comme ça les mecs ils... En fait, je défends facilement avec les archers et je peux en même temps soutenir à fond mon push. Ouais, je vois l'idée. Bon, il a récupéré son fil barbare là, il va te le balancer. Ouais. Bien joué. Oula, il a bien joué là. Attends. Bon, par contre, faut que je me concentre un petit peu parce vas-y, que je pense qu'il est quand même... Hein. Il est quand même fort, hein, à ce niveau. Exactement, vas-y, focus à fond. Ouais, faut pas que je déconne. Si je perds ça, je m'en veux. Là, par contre, je m'en veux vraiment. Mais non, crois en toi. Attends. Hop. Alors, il vient d'utiliser. Ok. Je sais pas si je pars comme ça ou comme ça. En fait, j'hésitais à boule de feu ça, mais je sais pas. Moi, j'aurais pas fait parce qu'il était un tout petit peu devant Nelex, donc ça me semblait pas nécessaire. Ouais. Ok. Il maîtrise bien quand même. Ouais, il joue bien pour l'instant. Faut que je trouve une solution vite, hein. Parce que là. Ah, attends, peut-être qu'il va faire un push là. Ah, il est malin. Il sait que je vais. Oh, t'as touché un petit peu. Putain, mais en fait, il fait que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il va jamais mettre de cimetière parce qu'il sait qu'il passera pas. Il attend un bon moment. Mais c'est vrai qu'il en a pas hein, pour l'instant des moments pour cimetière. Oh, là ah, tu m'intéresses. Ça c'est intéressant. Là. Ça c'est intéressant. Tu viens de perdre une 3 bombes. Hein. Là je pré-shot. Là ça sent bon là. Oh fou. Ouais mais ça lui coûte de l'élixir hein, voir ça ici. Hein. Il est bon mec. C'est comme ça qu'il doit jouer le match-up hein, en vrai. Ouais. Il est censé bloquer bon. Chevalier, poison fuit à chaque fois qu'il pose Arc-X et cycler des dragons attendant. Et ouais, si à un moment il a une porte à faire un cimetière. Là. Ouf. Aïe. Oh, et ça tue là quand même. Hein. Ouais, il le maîtrise bien. Hein. Ouais. C'est exactement comme ça qu'il doit jouer le match-up. Hein. Il fait by the book ce qu'il doit faire. Ouh là, il a raté. Ah, il a perdu. Oh non. Oh, il vient de jeter la game. Bloc, squelette là-dessus. Ah, ouais. Franchement, il a fait une game parfaite jusque-là. Vraiment rien à dire. Il a tellement maîtrisé en fait. Oh, il doit rager. Il a fait tellement une belle partie. Et en fait, il a fait une erreur. Ouais, vraiment, mais vraiment, oh là, il a, franchement, il a tellement maîtrisé la game, c'était comme moi contre le golem, là, j'avais le match-up, mais... Ah, c'est chaud pour lui, ça me fait mal à ton adversaire. Ah, moi aussi, ça me fait mal, hein, mais là, ah, c'est dommage. Énorme. Mais il a eu pas assez d'élixir ou quoi? Parce que je sais pas pourquoi il a mis aussi tard. Si, il l'avait, mais je sais pas. Il l'avait largement parce que tu sais, ça fait un moment qu'il a fini son push, hein, donc l'élixir il l'avait. C'est dommage hein, quand même. Hein, de... Aïe. Bon, en tout cas, gros GG à toi, Styleux. J'espère que vous avez kiffé. Évidemment, la dernière fois, vous avez déjà redemandé à voir plein de fois Styleux. Il avait fait une pause du jeu. C'est pour ça que, après, il avait arrêté de me répondre parce qu'il avait retiré son compte Discord. C'est pour ça que j'avais pas pu le rejoindre. Parce que je me suis fait tacler, hein. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, Noctiva, t'as pas de parole. T'avais dit Styleux revient, y a pas Styleux. vraiment, vraiment désolé, mon Maxi, pour tout ce qu'on t'a fait, tout ce qu'on t'a fait à cause de moi. Voilà, j'en dormais plus de la nuit, mais bon, tant pis. Hein. Ouais, mais c'était cool. Non, bon, c'était vraiment super sympa et énorme. Hein, cette mission trophée, en plus, un francophone. J'espère que vous avez kiffé. Il le maîtrise extrêmement bien. Ça fait vraiment super plaisir. En plus, il est de très bonne humeur. Donc, j'espère que vous kiffez également. Merci beaucoup à toi, Styleux. Ah, bah, pas de soucis. Un plaisir, Naxi. Ouais, je vous souhaite à tous une excellente journée. Du coup, profitez bien. Vas-y, dis. Yes, allez, ciao. Ciao, tout le monde.